L'opération de Kiev contre les séparatistes pro-russes dure depuis bientôt 3 mois et l'armée a besoin de davantage de véhicules blindés, d'où la décision du ministre ukrainien de la Défense d'en augmenter la production. Selon notre reporter, sur ce site, dans la région de Jetomer, à 150 km de Kiev, on répare des chars fabriqués à l'époque de l'URSS et on fabrique des blindés de transport de troupes. En raison de la situation dans l'Est, nous allons augmenter notre programme de production de 200%, dit le responsable du site. Et cette année, nous allons réparer 140 chars. L'année dernière, c'était 4. Les actions à l'Est sont périlleuses, souligne ce colonel. Les séparatistes laissent des mines, des fougasses. Donc beaucoup d'équipements sont détruits. Mais nous pouvons réparer des véhicules. En revanche, les personnes, nous ne pouvons pas les ramener à la vie. Le site répare et produit 18 types de véhicules de combat, ainsi que des pièces détachées pour des chars, a précisé notre reporter. Le premier lot de véhicules rénovés sera fourni au ministère de la Défense à la fin du mois de juillet. Les véhicules seront utilisés plus tard dans l'est de l'Ukraine dans le cadre de l'opération contre les séparatistes.